Ah bon, allez, cette semaine dans Artistes Pays, on continue à parler sport et particulièrement du basket avec Damien Inglis. Né le 20 mai 1995 à Cayenne, en Guyane, passionné de basket, à tout juste 14 ans, en 2009, il intègre le centre de formation du Centre fédéral où il restera jusqu'en 2013. Lors de la défaite des siens en novembre 2012, il marque 31 points. Il participe en 2013 au Nike International Junior Tournament à Belgrade, un tournoi regroupant les meilleures équipes juniors d'Europe. Son équipe se classe 3e et Damien Inglis est élu dans le meilleur 5 du tournoi. Puis, en juillet 2013, il participe avec l'équipe de France au championnat d'Europe des moins de 18 ans en Lettonie. Il s'y impose alors de nouveau en leader et se fait remarquer pour ses qualités athlétiques et sa polyvalence. Meilleur joueur de la promotion 2013 du Centre fédéral, c'est tout naturellement qu'il est courtisé par plusieurs clubs de Pro A. S'il effectue un essai avec l'élan béarnais Pau Lac Orthez, c'est à Roanne que l'ailier de 18 ans, issu de l'AS Essing, s'engage pour 3 saisons le 4 juin 2013. Fin septembre de la même année, une lésion musculaire aux ischio-jambiers l'empêche de participer aux mondiaux 3x3 juniors en Indonésie. Si pour certains matchs avec Roanne, il rend une faible carte, il se rattrape sur d'autres et contribue au succès de son équipe et avoue même que son entraîneur le pousse à bout aux entraînements. Le 12 novembre, alors qu'il dispute un match à Nancy, un scout NBA s'est spécialement déplacé d'Israël pour le voir. Et comme pressenti, en février, il est invité au Hoop Summit 2014 dans l'équipe mondiale qui se déroule à Portland au mois d'avril. Il se dit honoré de cette invitation et de pouvoir se montrer en vue d'une sélection à la prochaine draft de la NBA. Lors de ce match, même s'il ne joue que 5 minutes, il y réussit tout de même un bon passage. Et en 2014, son rêve devient réalité. Il est drafté par les Bucks de Milwaukee à seulement 19 ans, avec lesquels il signe un contrat de 3 ans. Très rare d'ailleurs pour un joueur sélectionné au deuxième tour de la draft. Preuve de la confiance que lui portent les dirigeants de la franchise. Mais gêné par une fracture de la cheville depuis mai 2014, il ne participe pas à la pré-saison de l'équipe et sa blessure ne guérissant pas correctement, les Bucks décident de l'opérer en janvier 2015. Il effectue alors son premier match avec les Bucks en octobre 2015 contre les Knicks de New York d'un certain Kevin Serafin qui lui avait été laissé au repos car touché au genou à ce moment. En revanche, Damien Inglis a bien foulé le parquet et joue pendant 15 minutes. Il inscrit un seul panier à 3 points mais s'impose par sa présence en captant 4 rebonds. Lors de ce match d'ailleurs, les Bucks écrasent les Knicks 122 à 97. Il dispute alors 20 matchs avec son équipe avant d'être coupé par sa formation le 30 juin 2016. Pour une moyenne de 7,8 minutes de temps de jeu, 1,8 points et 1,6 rebonds par match, il aura été prêté par son équipe à 2 reprises en D-League, sorte de deuxième division pour plusieurs semaines. Finalement, il est recruté le 11 octobre 2016 par les Knicks de New York, mais est licencié quelques jours plus tard. Puis il signe un contrat avec les Knicks de Rochester, l'équipe réserve des Knicks de New York. Bien moins exposé médiatiquement, le Guyanais réalise tout de même des performances convaincantes et régulières avec la ferme intention de retrouver la NBA, mais tout en gardant un œil sur l'Europe. Suite à un essai infructueux chez les Raptors de Toronto, au Canada, il regagne l'Europe avec le club italien d'Orlandina Basket. Cependant, en désaccord avec l'entraîneur, il quitte le club après seulement 7 matchs et s'engage alors avec la SIG Strasbourg jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. Le loop on the floor finds Inglis for the poster! Damien Inglis! Libre de tout contrat durant l'été 2018, il s'entraîne à Paris en attendant une nouvelle opportunité. Il s'engage alors avec le club de Limoges Cercle Saint-Pierre jusqu'à la fin de la saison et revient à la SIG Strasbourg en juillet 2019 avec un contrat de 1 an. La SIG Strasbourg tout simplement parce qu'il avait envie d'y revenir et que dès la première fois, il était tombé amoureux du club, de la ville et des fans. Très confiant sur cette équipe jeune et homogène dont il connaît quasiment tous les joueurs et à l'aise dans ce club, nous lui souhaitons plein de réussite pour la suite de sa carrière.